Salut tout le monde, c'est Kia Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo découverte sur Redoute. C'est un jeu disponible depuis le 2 septembre que sur PC et c'est sur Steam. Il a une trentaine d'euros, il a un peu moins, mais après il va passer à un petit peu plus que 30 euros. Mais bon, dans ces eaux-là quoi. Alors c'est un jeu qui a été développé et édité par 34 Big Sing. Oui, j'ai un peu de mal. Alors Redoute, c'est un jeu de course futuriste dans le même style que F-Zero. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui était fait sur Nintendo, enfin Super Nintendo, je crois, si je dis pas de conneries, en 1992, ou Wipeout, disponible sur PlayStation en 1995. Alors, Redoute, il a été développé depuis 3 ans. Ça fait un petit moment quand même qu'ils sont dessus, là, l'équipe, par le studio 34 Big Sing, comme je vous l'ai dit. Ce jeu utilise aussi le moteur graphique Unreal Engine 4. Et vous pouvez aussi avoir avec les... comment ça s'appelle? Là, je m'en rappelle même plus. Les appareils de réalité virtuelle, là, tout ce qui est les casques, le HTC Vive ou voilà, toutes ces conneries quoi. Bon, je l'ai pas, alors je peux pas tester. À ce que j'ai vu, les retours sur le casque, c'est pas top. Pour l'instant, il y a des petits problèmes, ils disent ça se voit que ça a été fait à la fin. Bon, je sais pas, ils sont peut-être au courant un peu plus que nous. Et voilà, on peut jouer contre l'IA ou jouer en multijoueur. On essaiera de faire une petite partie là, on va essayer de jouer directement en multijoueur, voir s'il y a des gens en multi, parce que des fois sur ces jeux, il y a personne. J'ai pas du tout essayé, ça sera vraiment de la découverte, comme d'habitude. Et on peut jouer à 12. Voilà, 12 joueurs. Le jeu, il est au max. Il est au max, oui. Ah, épique, voilà, c'est au max. Bon, j'espère que ça va tourner. Comme d'habitude, bien sûr, j'espère. Alors, on va voir s'il y a du monde. J'ai pas du tout regardé. Alors, on va faire recherche pour voir s'il y a des serveurs. Waouh, incroyable! Il y a beaucoup... Ah, il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. Il n'y en a que deux. On va mettre rejoindre, on va voir. Alors c'est un jeu aussi où il n'y a pas de... On tire pas sur les ennemis, hein. C'est juste de la course pure et dure. Ah, tout simplement. Course. C'est de voir si ça marche. Par contre, je sais pas si on peut nous entendre. Allô ? Bon, déjà, il y a des gens. On peut choisir son vaisseau, normalement. Mais le problème, vous pouvez le voir, faut être après classe 2, niveau 6, niveau 15, niveau 22. Et on voit vraiment que la puissance, elle change. C'est un truc de fou. Et des vaisseaux sont super puissants. Je vous les montre un petit peu vite fait, comme ça, la forme. Ouais, il y a pas mal de vaisseaux, quoi. Moi, j'ai le vaisseau de merde. Allez, prépare-toi. Je suis prêt, ma gueule. Ça serait bien qu'il lance, comme ça on puisse un petit peu tester quand même. Bon bah ça trouve du monde, je suis étonné, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. J'avais peur que ça soit un jeu où il y a vraiment personne. Par contre vous allez pas me dire qu'on est obligé d'être 12. Non je pense pas. On va voir hein. Après, réellement, il me donnait envie. J'en ai eu deux de clés. Je l'ai offert à un abonné YouTube comme ça. Il s'appelle Starflox. Je lui ai offert. Voilà, bah, je suis pas là en train de dire que j'ai offert des jeux. C'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai eu deux clés. L'éditeur m'en a donné deux. C'est gentil à eux. Je les remercie pour voilà, fournir des clés à des YouTubeurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés. Je trouve ça vraiment cool. Ça fait plutôt plaisir. On peut voir, j'ai vraiment pas du tout joué, je suis niveau 0 avec 0$. En à droite, on peut voir. On voit la course, l'événement actuel. Il y aura 3 tours. Et c'est quoi ça? Des propulseurs fente vide. Je pense qu'on peut améliorer. Ouais, niveau 3 pour avoir des propulseurs. Parce qu'il y a un système de boost. Bon bah écoutez, on va pouvoir tester en multijoueur. J'ai pris une raclée. J'ai pris une petite raclée. Ah, c'est vraiment un petit jeu de découverte pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. Moi je me rappelle, il y avait un jeu comme ça, ouais, c'était Wipeout je crois, hein, sur PlayStation. Mais je crois qu'il y avait vraiment, c'était un peu un système à la Mario Kart. Enfin, tu pouvais tirer, t'avais des sortes de missiles, t'avais plein de trucs. Là, c'est vraiment de la course. Je préfère mieux comme ça, moi. Bon, ils ont dit que le jeu était vraiment bien optimisé. J'ai vu ça sur Steam. Il est pas mal, il est bien noté aussi. Puis c'est cool, je vais pouvoir faire une partie en multi pour vous montrer un peu le multi. Déjà le niveau a l'air d'être vraiment fou.
J'espère que ça va pas trop bugger. Comment on regarde derrière? D'accord, B. Aïe, putain, ok, 30 dedans. Ouais, ils m'ont rentré dedans. Oh, attendez, oh, c'est chaud. Vu que j'ai jamais essayé, ça va être un peu difficile. Oh mon dieu! C'est la merde, je tape tous les murs. Je vois à gauche, j'ai ma vie. Putain, j'ai plus de vie. Ah d'accord, ah, je me soigne un peu. Il suffit qu'ils le connaissent. Waouh, waouh. Ça c'est bien qu'il y ait une vie parce que ça évite les gens à vraiment taper trop les murs. Après ils ont dit que j'avais regardé un peu les commentaires. En tapant les murs on allait un peu plus vite qu'en faisant attention. Mais bon vu que t'as de la vie faut peut-être pas taper tous les murs quoi. Je pense que t'exploses. C'est vrai que c'est coloré, c'est joli. Surtout faites attention à hein, ceux qui sont assez sensibles. Faut pas nous faire une petite crise d'épilepsie là. Si vous avez un doute, hein, comme d'habitude, hein, allez voir votre médecin. Je sais pas comment ça se passe. C'est ce qui est marqué sur la plupart des jeux. Parce que c'est dit au début. Oh là là, mais je viens de me frapper. Putain, mais je vois rien. Ah, il y a deux de vue. Il y a vue intérieure comme ça. Ok. C'est pas mal aussi. Je suis un putain de pilote de merde. J'ai plus de vie. Je vais exploser. Ah d'accord. J'essaie de pas d'exploser quand même. Je suis en train de me soigner là. Il se répare mon... Il se répare. J'aime bien cette vue là, petite caméra qui se penche un peu et tout, c'est cool. Y'a quoi comme vue? D'accord, y'a cette vue aussi. C'est vrai qu'ils avaient raison sur Steam. C'est beau. C'est beau. Ah, vu que j'ai un PC de merde. Ouais, c'est impressionnant. Alors on appuie sur le boost. Le mec il fait dans un boost. Mais ça se termine pas. Ah c'est fini. Yeah, troisième. J'ai gagné des dollars. Ouh. On va essayer d'en faire une autre. D'en faire une autre quand même. Soyons fous. Je sais pas comment ça tourne le PC, ce que je chantais quand même, des fois j'avais des petites baisses, mais bon, le jeu en même temps il est au max. J'ai pas un PC super puissant. Voilà. Vu que je peux rien faire, c'est niveau 3. Non, niveau 6, le prochain. Puis ça coûte 30 000. 50 000, 90 000. Celui-là est impressionnant. En vrai, après, c'est juste des... Eh oui, d'accord. En fait, après, c'est juste le design qui change, mais pas la puissance. Ah si, un peu. Oh, j'espère qu'il y a des gens qui ont acheté ce jeu ou quoi, qui ont pété un câble. Dites-nous un peu, enfin, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Après, je vais pas vous mentir, si on me l'aurait pas donné, je l'aurais sûrement pas acheté parce que c'est pas réellement mon style de jeu. Mais avec des potes, si tout le monde l'achète, ça peut être marrant. Bon, c'est rare. C'est rare qu'on trouve des potes qui aiment bien ce style de jeu, au moins 2-3 potes pour bien s'amuser. Autrement, je peux reconnaître que le jeu l'est bien fait. Graphiquement, c'est beau, ça a d'être bien optimisé. J'ai pas regardé, je vois au niveau des contenus des vaisseaux aussi, il y en a pas mal. Par contre, j'ai pas vu combien il y avait de maps. J'essaierai de voir un peu après si j'oublie pas. On se tape la même ? 3, 2, 1, go ! Et j'ai pas pris le boost. Ah là là ! Ah, je vous dis là, c'est mal parti.
C'est quoi comme style de musique électro, non? Je sais pas. Je sais pas si on peut prendre l'aspiration. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que c'est dur. Putain, je tape tous les murs. Des fois, j'ai l'impression qu'on est en haut, on est en bas. Ah, je suis dernier. Je suis une grosse merde. Oh, le premier, comment il est loin. Allez, 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 allez. Ah, j'arrive pas à les rattraper. Une pète un vent, c'est sérieux, c'est un truc de fou. Putain. Putain, elle a disparu. Elle a explosé. Ça, c'est le dernier tour. Ah, c'est marrant, le dernier tour, ils enlèvent où t'en es par rapport aux autres. Avant, on avait une barre en haut. Eh ben, je suis pas dernier, je suis quatrième. Oh putain. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là, ça sera vraiment été une vidéo vraiment très courte. Je suis niveau combien? J'ai pas vu combien de niveaux. Dommage, j'aurais voulu vous montrer un autre niveau, mais je vais m'arrêter là. Ce sera que 12 minutes, c'est pas grave. Bon, vaut mieux que ça soit court que trop long. On peut pas changer, putain, c'est chiant ça. Bah allez, je quitte. Il y a aussi, ah oui, il y a aussi un, j'ai cru voir, un mode carrière, devient le meilleur pilote. Il y a des courses rapides pour faire des temps, il y a des attaques du temps, vitesse, survie, après il y a pas mal de choses. Une course classique, de l'arène, commencer premier, terminer la course, ouais d'accord. Il y a pas mal de petits modes, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça sert à rien de faire trop long. C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et dites-moi si vous l'avez acheté, si ça vous a plu, si vous trouvez que ce jeu c'est de la merde, et si ma vidéo c'est de la merde ou pas. Bah je vous dis à la prochaine, allez ciao. Et pensez à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez ciao.